Shalom, shalom, bien-aimé, paix et joie du Christ. Mon frère, ma sœur, je te salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes rassemblés et réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce nouveau jour. Te disons merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour cette semaine qui tire à sa fin. Merci pour la force que tu nous as donnée durant cette semaine. Merci pour toutes les grâces que tu nous as données. Merci pour les épreuves. Merci pour les moments difficiles, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire pour le Dieu que tu es dans nos vies. Tu es la parole faite chair, le Verbe de Dieu fait chair, conçu dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Et c'est le cœur immaculé de Marie que nous commémorons en ce jour. Le cœur qui a été transpercé d'un glaive, comme le prophète Siméon l'avait déjà annoncé. Le cœur qui a gardé la parole de Dieu dans son cœur. Maman Marie est ce modèle pour nous. Ce modèle de méditation, ce modèle de vie intérieure. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour, nous voulons te demander la grâce de garder ta parole dans nos cœurs. La grâce d'être proche de ta parole. Parce que cette parole est lampe à nos pieds. Cette parole nous dirige et nous conduit dans notre vie de tous les jours. Seigneur, nous te prions ce jour. Aide-nous à méditer ta parole dans nos cœurs, comme la Vierge Marie. À garder cette parole dans nos cœurs, mais surtout à proclamer cette parole autour de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Ta parole, Seigneur, que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Thank you.
Oui, Seigneur, mon âme veut te louer chaque jour et à chaque instant. Car tu as inscrit ta parole dans mon cœur. Tu as inscrit ta parole à l'intérieur de moi. Donne-moi, Seigneur, de contempler cette parole. Donne-moi, Seigneur, de manifester cette parole. Donne-moi, Seigneur, de me rendre compte de cette parole qui est à l'intérieur de moi. Donne-moi, Seigneur, de garder ta parole comme la Vierge Marie, de méditer ta parole dans mon cœur comme la Vierge Marie, Seigneur. Parole est puissante, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour le don également de la très sainte Vierge Marie comme mère. Nous prions par l'intercession de son cœur immaculé, uni au cœur sacré de Jésus, de toujours garder ta parole dans notre cœur. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit à jamais béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toi, bien-aimé. Je te souhaite une excellente journée, une journée bénie dans la présence de notre Seigneur et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Amen.